Ou pral le saisir tant de sacs se passer dans Delma 31, c'est bon bagaille mis à faire, mesdames, messieurs. La police nationale d'Haïti et la population dans Delma a décidé de jouer une tentative de kidnapping qui d'abord le fait sous plusieurs citoyens. Mais mesdames, messieurs, selon l'information qu'on a gagné, t'as un bourgeois là dans la coupe Pétionville qui t'a en deux sacs de passé. Ou t'as un gagné qui est ce moun yon de jouer dans la machine ça et qui est ce moun lié ou ap saisi t'as de nos bourgeois ça. Et bourgeois ça, mesdames, messieurs, c'est un bourgeois dans la coupe Port-au-Prince qui est famille avec frère déjà dans la cité dans plusieurs l'obéi, mesdames, messieurs. Bral saisi t'as de gozé. Les petits nègres, moi même pas fait confiance avec information yo. Les ou magay y a fait man devant yo, y a saisi tenté comment une information en pile les voyou ba kwè. Dans moment même n'a parlé à la, nègre commencé à citer prière pour pas ta citer nos nègres ça. Et mesdames messieurs, me garantis ou prière ça déjà échoué parce que depuis l'aime prendre décision pour me faire émission, c'est mettre sans connait me connait, côté connait me connait pour me venir fort connait ça qui a passé là dans la coupe Port-au-Prince. Oui, c'est vrai nouvelle, yo ca dérange assez souvent. Me ca dit quelque petit bagaille qui dérange. Peut-être ou gen droit dire c'est comme ça me devoir faire ça, comme ça me devoir dire ça. Ou bien tout est dit, je pas souvent venir avec bonne nouvelle. Nouvelle, c'est peur ou faire non peur plus. Pardonnez-moi si je me dérange. Je pas faire pour me déranger. Même justement faire parce que je veux comprendre dans qui est le pays d'Haïti. Bagala vraiment compliqué. Si pas rien à nous qui décide pour nous mousquer, pour nous chercher, connaître dans le temps. Pour nous montrer que là, il y a la misère, pas qu'à pomme dans le temps, tout timide caille. Eh bien, donc, faut que bon monde qui choisit fait, sous pas fait, m'garantis ou t'y comme maï, va gen raison, sous t'y comme mérégem. M'décide bon raison de tout ce qui a passé. Bonjour, bonsoir tout le monde, m'abri abonné à la chaîne ça. C'est celle façon pour capable arrêter quoi, tout ce qui a passé. Dans Delma 31, gen moun kap dit Delma 19, puisque mesdames, messieurs, gen pile moun qui gen difficulté de différence, de décantation. Entre Delma et mesdames, messieurs. Mais ça passe, il passe, mesdames, messieurs. Dans Delma 31, côté, mesdames, messieurs, yon machine débarqué en zone plein dingue, en moun fait moun peur. Monsieur, ça a décidé, mesdames, messieurs, à lever plusieurs concitoyens dans l'espace là. Ma bon paquet de détails. Mais heureusement, mesdames, messieurs, la police a dévié tentative de kidnapping ça qui fait, mesdames, messieurs, dans Delma 33 ça. D'où 20 jours, hein? D'où 20 jours, mesdames, messieurs, dans date ça là qui est vraiment difficile. Mais ma bon, pile vérité, ou pral saisi tant de code kidnapper yoye qui bon yoye qui ça y a fait. Par attends seconde, parce que m'gè causé ou. Bam qui te garde l'image là, et puis moi-même m'a vini tout de suite après pour m'in bon détail. M'a vini. Image sur ce gars là, mesdames, messieurs, son action. Son tentative de kidnapping qui passait en bas, mesdames, messieurs, dans Delma 31. Population dans Delma vexée, fâchée, koukong. Yo décide de dire, yo pas n'a affaire pour nek sa yo al jouen la police encore à la prison. Mais plutôt, gade comment t'es capable d'accompagner, messieurs, permettre que monsieur arrive là, mesdames, messieurs, dans la cour ange de la mort pour capable de faire ça et faire plus bien. Grand pile détail ou pral saisi, tendez. Mesdames, messieurs, vous avez du feu. Vous mettez du feu dans la machine. Mon bras saisit tant. Il y a plusieurs kidnappeurs, mesdames, messieurs, qui ont estimé que la population avec la police campe en zone plein dingue, campé en gouvernement, un garçon pas campé, en roulé de bois, campé dû pour bagaille, ça ou pas arrivé sous yo. Eh bien, mesdames, messieurs, qui ça vient passer, qui ça vient arriver, ils ont décidé en quelque sorte pour vous sauver. Mon bras saisit tant. Sauver ou vle sauver à qui côté les gueux mettent yo qui ça yo fait
information, mesdames, messieurs. Machine ça a essayé de faire tentative de kidnapping ça dans Delma 31, mesdames, messieurs. Malheureusement que la police nationale d'Haïti dévie la population, mesdames, messieurs, Seneli. Et bien, la machine ça a kidnappé OTI, mesdames, messieurs, blindé, qui sont belles machines, bien blindées, d'ailleurs, cette vidéo. Donc, bien, monsieur Damio, yo te nan entourage là avec la police, yo décidé di yo pap kite machine sa sauvé. Qui ça arrivé? Monsieur kite nan machine là à savoir les kidnappés. Donc malheureusement, yo sauvé madame monsieur, yo couri. Monsieur yo couri madame monsieur au prend direction Delma 33, yo al caché dans un caï nan rue Chabonnière là madame monsieur. Nan rue Chabonnière ça a côté de monsieur al caché a. Mais là arrivé dans caï en bas, caï ça mon petit madame de qui tout prêt qui a fait un petit business dans la cour la Kaili, mais c'est gardé le monsieur débarqué en zone plein ding gros âme son fois dans meyo et bien rentré dans la cour et rentré dans Kaila. Mais on va le saisir tenter dans rue Chabonnière ça la police a été débarqué sur place jusqu'à présent sur place et bien madame monsieur accompagné de population pour aller dîner qui mette koyo dans problème. Mon bras saisir tenter qui laisse moun yo ta sa se jeune machine ensemble et on nan bon dieu mesdames messieurs qui tabral qui prend balle et mesdames messieurs selon quelques moun ces machines Cédric Brandt qui c'est cousin mesdames messieurs mes frères et sœurs qui c'est cousin monsieur ça qui c'est youn nan Brandt yo qui nan prison déjà Clifford Brandt donc qui nan moment même la police a cherché kon ki sa fait même bal bon détail. Ou bral saisit tande. Monsieur Cédric Brandt, mesdames, monsieur, a été trouvé dans cette même voiture. Mais il s'agit que je fais comprendre, c'est lui-même qui a kidnappé. M'a essayé et m'a précisé, faut tande. Donc, yon sous, donc, normalement, qui a fait parler, donc, qui a banni les trois détails. Pour les raisons pour l'autre, m'a choisi passer. Mais m'a dit nous que Cédric, c'est une famille Brandt ça. Malheureusement que les tout de suite après yo fin arrêté Clifford Brandt yo maré ti vagabond ça ti vourien ça kou crabe et bien madame monsieur Cédric Brandt bien té entré dans logique ça pour permettre que yo capable faire l'argent regarde figi mal freiné dans là monsieur Cédric Brandt monsieur c'est cousin madame monsieur ou bien petite Grégory Brandt m'ta ka dit ça cousin ou bien disons neveu selon sous point neveu Clifford Brandt. Monsieur, c'est petit Grégory Brandt. La police, à peine, mesdames, messieurs, défié une tentative de kidnapping sous Delma 31. Mais malheureusement, il a joint Cédric dans la machine. Ça, monsieur, t'as fait quoi? C'est lui-même qui a été kidnappé par rapport à Colel. Eh bien, la police, a plusieurs membres dans la population, décidé par faire citoyen ça, confiance. C'est la question que je me pose. Date kidnapping a fait dans le pays d'Haïti, côté de Kitoyo, t'as gagné, mesdames, messieurs, côté pour y aller cacher l'argent dans la banque. Qui est ce qui t'a fait pour vous? Qui est ce qui est capable de gérer ça pour vous? Monsieur Saha, qui c'est Cédric Brandt, dans le moment même n'a pas parlé à la police commence à permettre monsieur pas sentir confortable. Oui, de pas confortable du tout parce que situation difficile pour lui, mes frères et sœurs. Clifford Brandt, c'est une personnalité qui a fait un pile mouvement dans la République. Et selon information que nous avons, c'est pour les gens qui ont écrit fait confiance comme ça. Parce que ils choisissent entre les têtes une série de mascarades. Ou bien entre les têtes une série de bagailles. Côté que la République d'Haïti, pas d'accord. Monsieur Saha, dit tête li, lycée mulat, lycée blanc. Il se moun, eh bien, il y a une difficulté, il pas qu'à gagner, mesdames, messieurs. Donc, à qui ça crève? La police et la population décide de dire, il n'y a pas de bail légal. Il n'y a pas de bail légal, mesdames, messieurs, pas décidé de ma chance tout. Il a décidé de camper en saut plein dingue, décidé de camper en saut, en fait, en saut fait. Il y a une façon pour permettre que plusieurs petits vagabonds ou petits voyous pas intégrés, mesdames, messieurs. Yon paquet l'obé dans le moment n'a pas à la. Donc, situation difficile, situation vraiment impeccable, situation vraiment une situation qui est inacceptable. Il y a des bagailles, l'on pas comprendre, l'on pas attendre. Eh bien, mesdames, messieurs,
ou gen le choix pour faire, ou gen des démarches pour faire, ou gen des mouvements pour faire. Donc, m'bral bon série de détails qui vraiment important. Un paquet d'informations qui capable itilou. M'a tout fait attention dans la rue ça. Même sous ta rue là, t'as fait pause, bon oui libre. Même sous ta rue aussi, y'a dans la rue. T'as fait pause, parler ensemble avant. M'garant tout, fais attention à toi-même. Fais attention à toi-même pour plusieurs raisons. Parce que vous même, mesdames, messieurs, de ce groupe de monde, ou pas vraiment kakon qui sont à nous dire de vous. Ce groupe de monde, ou pas vraiment kon qui sont capables d'avancer sur vous. Puisque vous assez souvent entré dans faire l'obéi. La famille Brantsa, mesdames, messieurs, son famille qui est entrée dans ça fait quelques temps, dans faire l'obéi dans la coupe de presse. Et me dit nous déjà, monsieur Sayo, vous tellement entré dans vous des conneries, ou pas presque qu'a dit. Est-ce que famille ça a, t'as supposé rester vivant? L'opat a dit yon en vente zam ou t'a dit yon en drogue. L'opat a dit yon en drogue ou t'a dit yon en kadejak. L'opat a dit yon en kadejak là, mesdames, messieurs, ou t'a dit yon en kidnapping. Eh bien, dernière personnalité. Donc, nous gagnons des soupçons réels sur lui là, c'est à Cédric Brant. Est-ce que vraiment c'est Cédric? Est-ce que c'est lui-même? Pour qui ça c'est lui-même? Criminel et le droit et le code pénal. L'article 18 de la Constitution dit tous les citoyens sont égaux devant la loi. Donc l'article 18 établit le principe de l'égalité des citoyens devant la loi et le principe de l'égalité des citoyens devant la loi, c'est un principe témoin de l'état de droit. Or, si la justice, code d'instruction criminelle, la lui définit, ou bien pour le pénal, là, c'est la justice du roi, c'est la justice du monarque. Maintenant, nous pas dans la justice du roi et du monarque, nous avons justice qui a servi non aux républiques et qui est consacrée par les principes de l'état des droits. Dès lors, pas de quel monde qui n'est pas justiciable devant le droit commun. À ce bagage, comme si on est du sous-ministre, et puis sous-premier ministre, sous ses membres cabinet. Il faut l'autorisation du président de la République. Principe ça tombé en vertu de l'article 18 de la Constitution qui établit le principe de l'égalité des citoyens devant la loi et devant les juges. Et on le dit, bon, j'en fonctionne, Haïti définitivement, ou appelé article 1er de la Constitution, Haïti est une république démocratique. Ouais. C'est une démocratie contaminée par l'état des droits. Et l'état des droits, c'est tout ça, les gouvernants doivent se soumettre à la loi et aux droits pour même si nous gouvernons. Oh, bon, l'article ça vrai, il dit ah oui, article 18, il dit les Haïtiens sont égaux devant la loi, sous la réserve des avantages conférés aux Haïtiens d'origine qui n'ont jamais renoncé à leur nationalité. Donc, pas de question, c'est président, c'est ministre, nous tous ces Haïtiens, depuis c'est devant la loi, il faut obéir. Oh, bah, yo mélangé. Mais t'as semblé pas trop de gil, non, professeur? Et yo seulement parlé, mais yo pas trop li. Oui, mais complètement, c'est tout à fait. Les Haïtiens, c'est pas arrogant ce qu'il dit ça. Les Haïtiens n'est pas, et ceux qui lisent comprennent très peu. Oh. Parce que pour comprendre, ou ka di, professeur, ou ka di sans créole, c'est Jean Lagel là, ou ka di nous ça, parce que j'ai envie de comprendre ni. Ou di haïtien pas trop remen li, ça te li ou pas fin trop comprendre, ça ou li ou, et ça vle di nous. Oui. Yo pas trop comprendre, ça okay. Ou li ou. Comprendre. Droit en réel pour comprendre ni. Le droit n'est pas ici pour la multidisciplinarité, parce que la réalité du droit n'est pas dans le droit. La réalité du droit est extérieure dans le droit. Ça veut dire, ma vie va falloir parler des avocats. Parce qu'on sait tout à fait. Pourquoi là, c'est fanatique émission, en fait, là? Mais chaque jour, je me suis dit, Ah, bah, c'est vrai. On ne parle pas, papa. Donc, ça veut dire qui ça qui ici, il n'y a pas de ma vie, si mon patron de droit, parce que je fais cours méthodologie en quatrième année pour que mon patron prépare les mémoires. Et si mon problème ici, c'est le problème de la théorisation et de la conceptualisation. Ce bon problème,
Ça veut dire droit, c'est tout à coup faut comprendre droit. Ce sont les théories, les concepts, les outils, méthodologies qui permettent de comprendre droit. Mais tu as souvent problème de théorisation, de conceptualisation, ou pas bien qu'à comprendre droit. Par exemple, les nègres là, ça oui, mais il faut l'autorisation, par exemple, si on ministre, l'impliqué dans le bagage, il faut l'autorisation du président de la République. Mais cet article a été amendé par la Constitution à l'article 185, 190, qui établit une autre procédure. Pas qu'à faire président, pas qu'à faire demander président pour les hauts fonctionnaires de l'État. Donc, l'article à l'île latérielle 185 jusqu'à 190, Constitution a établi une autre procédure pour les hauts fonctionnaires de l'État. Pas de question pour moi des présidents de la République là, et les autorisons ministres devant la justice. C'est la haute cour de justice, les offines députés ministres là, et puis on voit devant le tribunal de droit commun. Oui, c'est vrai. Autorisation du Me songe débat ça entre Michel Martelly et madame Maniga quand elle pas expliquer qui ça qui haute cour de justice ne comprendre ça. Non c'est vrai. Ça dit à professeur c'est correct et m'a regardé le devant dans là, pas gain voyer monter. Ah c'est bon l'eau qui a tombé là. Attendez les avocats et surtout ça traité au cap marqué me diga. Et m'a fan et m'li on bagay nèg yo fè tombe travail. Bon li article 85 là pour yo professeur. Yo dit que le Sénat peut s'ériger en haute cour de justice. Les travaux de cette cour sont érigés par le président du Sénat assisté du président et du vice-président de la Cour de cassation comme vice-président et secrétaire respectivement, sauf si des juges de la Cour de cassation ou des officiers du ministère public près cette cour sont impliqués dans l'accusation, auquel cas le président du Sénat se fera assister de deux sénateurs dont l'un sera désigné par l'inculpé et les sénateurs suvisés n'ont pas voix délibérative. Voilà, c'est ça, article 185 la balle. Et une bague Sénat. Oui, c'est moi. Ça veut dire que là, c'est toute la procédure depuis la mise en accusation depuis la Chambre de députés, ouais. Depuis la Chambre de députés, l'article 290 qui prononçait la peine d'exécution pour les hauts fonctionnaires de l'État. Donc, en sorte que la Constitution lui modifiait, ça veut dire, lui modifiait code comme pénal. Donc, sous question les hauts fonctionnaires de l'État, on n'a pas besoin de l'autorisation du président de la République. Mais on a besoin de l'autorisation du président de la République, ça équivaut à une conception de la justice qui est celle du roi en France. C'était la justice des fonctionnaires du roi, et c'est le roi qui t'a mené la justice, parce que le roi c'est incarné l'État en France. Ici, l'on parle de l'État, ici, ce sont les trois pouvoirs. Ouais, c'est vrai. Ah non, nous pral fini professeur parce que me pense ou dit l'essentiel et ou dit assez pour moun ki gen bon comprendre. Et nan ka sa professeur. An nou gade nou te pose une question ou passe sous li. Est-ce que membre en tant que membre cabinet par exemple jodi an la ou ap travay comme conseiller juridique nan cabinet Josué Pierre-Louis. OK. Oui. Est-ce que en tant que membre cabinet, m'a prêté sous Zamian qui c'est maître Robinson Pierre-Louis dans cas dossier spécifique ça qui sont gros dossier question trafic ZAM, est-ce qu'on pensait mettre là capable prendre une telle initiative, une telle décision sans l'aval ou encore sans l'avis du ministre de la justice alors que lui-même lui connaît pertinemment qui ça capable payer en conséquence après une telle décision. Décision ça trop lourde de conséquences pour l'État et pour le gouvernement, ça veut dire pour un membre cabinet à s'arrêter. Et puis pour le prendre décision pour contre lui, pour le pas. Si le temps fait ça, mais son bagage est très grave. OK? Donc je ne sais pas qu'on est à quel niveau que le ministre la justice là, parce qu'en fait, il y a un monde qui est interviewé, il n'y a pas de degré d'explication. Et de ministre dans la libération ça. Toutefois, dans le rapport Baflan, lorsque Michel Virgile t'a parlé, il dit que il recevra plusieurs appels de maître Robinson Pierre-Louis et Fritz Aubourg. Et bon côté, monsieur dit, le ministre est au courant. Qui sont pensés de ça? Ah ben, à ce moment-là, donc si le ministre est au courant, donc à ce moment-là, il faut rétablir ferro, il faut rétablir évidence. Maintenant, comme nous sommes dans une situation, ou dans une situation côté que les juges d'instruction sont saisis du dossier, c'est-à-dire ça m'a donné, ça c'est travail juge d'instruction lui-même. Ça a enquêté, ou enquête approfondie. OK?
et puis cap fait instruction, cap fait à charge et à décharge. Maintenant, si déclaration et ancien commissaire gouvernement sont déclaration fantaisiste, à savoir que le ministre n'a pas au courant, il a dit bon, c'était une déclaration fantaisiste et du commissaire du gouvernement, dans l'objectif, pour le décadis, qu'il peut-être lui, pour le décadis lui-même, il était agi sous l'autorité du ministre, qui était fait là. Et si toutefois, t'as révélé vrai, quel serait le sort de ce ministre? En ce moment-là, donc les juges d'instruction, donc là, en confrontation à la peur, parce qu'il faut le confronter. Parce que là, lorsqu'il est dans le cabinet d'instruction, on fait une contradictoire. Ça veut dire, il faut mettre des démons ensemble. Vous dites comme ça, lorsque ministre est au courant, ça veut vous insigner quoi? Donc ça veut dire quoi? Est-ce que c'est Robinson qui te dit, est-ce que c'est Maître Robinson qui dit qu'il a reçu l'ordre du ministre de vous parler, de rentrer en contact avec vous afin d'obtenir la libération de ces prisonniers, de ces prisonniers, ou bien de ces personnes impliquées? Donc ça veut dire, si c'est ça le dit à ce moment-là, ben, ça va confronter la déclaration de Maître Robinson et il y a obligément des ministres. Là, donc pour le comparaître, pour aller devant le cabinet d'instruction, pour le répondre. Oh, t'as dit, juge Dakar, Lika, le ministère sans problème, si toutefois que t'as besoin de lui. Bon, grand bagage, je dis à la, t'as dit, l'institution, et moi, les pratiques dans ce même temps, sur la question monocéphale et bicéphale. La constitution ne prévoit pas qu'une branche de l'État puisse être en vacances. Ça veut dire, les constitutionnels ne peuvent pas prévoir qu'un jour, pas bien Sénat de la République, pas bien député, pas bien la justice, pas bien pouvoir exécutif, ils ne peuvent pas prévoir bagarre comme ça. Maintenant, le ministre est justiciable pas devant la haute cour de justice. Ça veut dire qu'il commet un crime ou bien un délit dans l'exercice de sa fonction. Et là, commet un crime dans l'exercice de sa fonction, c'est la Chambre des députés. Qui prononce la mise en accusation. Que nous pas gagner pour l'instant. Que nous pas gagner pour l'instant. Qui joue le rôle, la chambre d'instruction qui instruit le dossier, et puis jouer le Sénat pour Sénat faire jugement lui-même que nous pas gagner. Est-ce que le fait que nous pas gagner, ok? Mais comprenez bien. Au gouvernement, regardez l'article 158 de la Constitution. Qui est le gouvernement dans la Constitution 87 là? Un gouvernement intérieur, il vient de s'allier. Premièrement, il faut que les ministres soient désignés par le président de la République. OK? Et deuxième étape, suivant l'article 137 de la Constitution, c'est-à-dire le président désigne, il fait le choix du premier ministre. Mais pour le premier ministre, il faut l'aller devant la Chambre en vertu de l'article 158 pour faire la déclaration de politique de l'État. Correct. Maintenant, qu'on est là entre le gouvernement et le Parlement, il existe une relation fonctionnelle et sanctionnée. Correct. En sorte que le gouvernement définit l'action gouvernementale, donc le Parlement, les assemblées parlementaires, ils ont fait le contrôle de l'action gouvernementale. Donc l'existence du gouvernement est intimement liée à celle du Parlement. Maintenant, il n'y a pas de Parlement, pas de gouvernement. Là où il y a l'action, il y a le contrôle. S'il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas d'action. Et c'est la raison pour laquelle, depuis la démission de Jean-Henri Péan, côté Joël, gouvernement Lapin, gouvernement Jout, gouvernement Ariel Henry Jodiac, tout, et M. Ariel Henry, et tous ses ministres, et tous les ministres Joutio, et même de Claude Joseph en campagne électorale, maintenant des côtés à venir décharge. Parce que les responsables devant qui? Oh. Ça sent l'autre dossier. Et la vine sous ça déjà mettre on l'autre dossier mais on déballe sous ça on l'a mais on l'autre dossier. Un gros dossier moi là. Est-ce que le fait que pas gain parlement, ministre pas mais ministre pas jamais responsable devant parlement. Il pas jamais gros politique général, il était engagé devant parlement. Donc la justice ordinaire est compétente. Donc n'importe ministre qui est là qui a affaire à la justice ordinaire est compétente. Donc pour tout le temps de n'importe qui ministre, on n'a pas besoin de l'autorisation du premier ministre. Correct. Professeur Sonner Saint-Louis, merci à vous. Mais entre-temps, j'en ai parlé là. T'as semblé, monsieur, ça va prendre un petit en prison. Yo. Mais j'en commissaire a parlé là. Ou pas penser que l'elfine témoigné devant juge instruction
pour l'expliquer que c'est sous pression gros chabrak dans Port-au-Prince qui de faire libérer Mounio, ou pensez gen possibilité dépendamment de avocat gagné pour ta gen en main levé qui fait sous pour monsieur parce que c'est pression gros nèg qui fait libérer nèg yo. Pas comme ça. Non, mais écoutez, on n'est pas qui t'a comité du gouvernement, cher ami. Nous comprenons, oui. Donc, on ne peut pas protéger l'ignorance de la loi. Vous avez dit, on ne peut pas juger ou être induit en erreur par le membre du cabinet ou bien le premier ministre. Ça fait toute une responsabilité devant la loi. Parce que là, le commissaire du gouvernement, il est comme si il y avait le ministre de la justice. Correct. Ou bien le premier ministre. Mais écoutez, nous sommes responsables devant la loi et la constitution. C'est ça pour comprendre. Vous êtes responsables devant la loi et devant la constitution. Et même si vous avez comme écoutez, je dis à un petit professeur, ok? Je suis droit dans l'université.